Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Dame Doussou Condé révèle que Pivi est à Conakry et qu'il serait en contact avec Alpha Condé. L'ancien militant du RPG arc-en-ciel Dame Doussou Condé, résidente aux États-Unis, était dans l'émission Les Grandes Gueules de ce jeudi 7 mars 2024 pour parler de l'actualité sociopolitique du pays. Pour Dame Doussou Condé, en prélude de la journée de la célébration du 8 mars à Kindia, les autorités guinéennes seraient dans une logique de politique en outrance de cette fête. Ils accusent les administrateurs territoriaux d'avoir préparé des femmes en vue des battes campagne en appelant le président de la transition, Mamadi Doumbouya, à s'accrocher au pouvoir. Maintenant que les médias sont ballonnés, les fonctionnaires ne sont pas payés, nos enfants sont en train de mourir dans la Méditerranée, donc toutes les femmes doivent s'élever contre ça. Mais non seulement c'est politisé, et selon mes informations, l'argent est en train d'être gaspillé. Cette mobilisation des femmes est prépayée. Il y a bien longtemps à Kindia, pour dire que Mamadi doit rester longtemps au pouvoir, a déclaré Dame Doussou Condé depuis les États-Unis où elle réside. Par ailleurs, Dame Doussou Condé a laissé entendre que l'ancien prisonnier de la maison centrale, Claude Pivi, qui serait évadé des prisons, serait en contact avec l'ancien président Alpha Condé. Hier, j'ai eu l'information que M. Claude Pivi est à Conakry et qu'il communique avec le professeur Alpha Condé. C'est lui qui collabore avec Selloum Dalein Diallo, Sidia Touré. Il faut avoir peur de ces derniers, a laissé entendre l'ancienne militante du RPG arc-en-ciel. Eh bien les amis, c'est ici que a pris fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés et soutenez la chaîne. Partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.